Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, c'est David K. On se retrouve pour une super vidéo et vous allez voir qu'on a pas mal de choses et on a notamment un cadeau de Gaël de Toulon. Donc je vais vous le présenter ce cadeau, c'est bien sûr le Stou Père Noël. Voilà, c'est un cadeau du frérot, il m'a dit tiens mon fraté, je t'offre le petit Stou Père Noël parce que bah, lui il pouvait vous offrir des skins. Donc merci beaucoup mon frérot. Bien sûr, ça va nous permettre d'accéder à des récompenses du magasin. Donc, un max de pouces bleus pour Gaël de Toulon. Un max de gentils messages pour lui en commentaire. Et bien sûr, dans la boutique, le code GAEL. On soutient, c'est le frérot. Du coup, on peut aller... ça, j'ai déjà récupéré. Donc, on a pu l'offre ici, malheureusement. Hein, tu t'en doutes. Et en plus de ça, je crois qu'on avait des petits trucs gratuits. Qu'est-ce qu'on avait de gratuit? On avait... Ah ouais, on avait... Oh, c'est léger, hein. C'est léger. C'est léger, la gratuité, aujourd'hui. Et on a toujours des petits skins qu'on finira par acheter avec les blings, hein, parce qu'on a des blings de dispo. Merci beaucoup, en tout cas, à Gaël de Toulon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? On va découvrir les nouveaux mods, et ensuite... hop, 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 attends. Hop, et on a le... Ah, on a le mode géant que je ferai dans une prochaine vidéo, je pense. J'ai hâte de le faire. Mais ce que je voulais, c'était continuer la win streak. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre le risque dans cette win streak de faire une partie avec Bartabouze. Hein. Donc, autant dire que ce que je fais là, c'est vraiment une très mauvaise idée. C'est bien ce bon skin. Hein, ouais, c'est le skin de Noël, il me l'a mis automatiquement. C'est une très mauvaise idée, hein, de faire ça. Alors, Barta balance une potion réparatrice sur ses alliés. Donc ça va pas le faire. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien, ça. Ça, c'est très, très bien. OK. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bartaba gagne. Par attaque. Ajoute 200 points de dégâts. On va prendre ça. On va prendre ça. Du coup, je pars en solo pour tenter de continuer la win streak et faire un record, de continuer mon record de win streak. Donc, autant dire que ça va pas être si simple. Bon, bah là, vous l'avez compris, je vais tout sauf au mid, hein. Avec Bartaba, là, tu vas tout sauf au mid. C'est un très mauvais brawler. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette quête. Bon, j'ai de la chance déjà parce que la Tara, elle s'est pas mis en tête forcément de me focus. Ce qui aurait pu être une très, très, très mauvaise nouvelle pour moi. En revanche, je suis en train de comprendre que j'ai rien compris parce que la map, du coup, bordel de merde. Oh, la map, en fait, il n'y a pas de popo hormis au mid, je crois. Ou alors, c'est une map sans popo mais avec énergie. J'ai pas lu la description, hein, je vous le dis. Elle est plus grande qu'avant, la range de Bartaba, non? Ah. Oh, je suis pas bien. Oh, non, probable, ça. Oh non, c'est improbable. C'est improbable, ce qui vient de se passer, les gars. Je viens de prendre un kill sur Mortis en survivant. Oh. Non, non! En plus, il a empêché son régène, là. Du coup. J'en étais sûr qu'il allait faire ça. Non, mais c'est improbable. C'est improbable de réussir à repousser des brawlers CAC comme ça. Ok, on est top 4. En vrai, c'est incroyable. Non mais franchement, le top avec Bartabouze, c'est improbable. Ok, je vais faire gaffe, parce qu'il y a deux brawlers sur ma gauche-gauche, là. Oh non, mais c'est improbable ce que je suis en train de faire. Top 3 avec Bartabouze, sur cette map-là. Oh là là. Ouais, je fais super gaffe quand même. En vrai, ma pose est pas si mal, mais faut que je fasse quand même gaffe, hein. En vrai, je la tente. Hein. Là, après, je fais gaffe parce que la Tara, elle va me mettre trop dans le mal, tu vois. Il me reste en plus, il me reste un hyper. Hein. Enfin, il me reste un pouvoir. Ah, en vrai, je la perds. Je la perds, les gars, mais je fais un top 2. Il est masterclass. Non, les gars, le top 2, il est masterclass, là. Là, on va pas se mentir.
C'était un top 2 masterclass avec Bartaba. Honnêtement, sur cette map, c'était tellement impossible. Non, franchement, je suis content. Du coup, on va reprendre. Oh. Il aurait pu me mettre une récompense de gâté. Il me met pas de récompense. Il me donne pas la puissance. Du coup, on va aller reprendre Mic-Mic. Mic-Mic, hein, c'est le Mic-Mic. Il est où, Mic-Mic? Pour continuer ma win streak. L'objectif, hein, on est sur une série, les gars. C'est de monter à 30, 40, 50 win streak. Hein. Donc, je dois être concentré. Objectif, c'est de faire le top avant tout. Et n'oubliez pas, les amis, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne Pokémon. Premier lien en description. Il va y avoir aussi plein de nouveautés. Ok, il y a Cordelus. J'ai pas pris forcément le putain, il m'a touché le schlag. J'ai pas pris forcément le meilleur brawl. Hein. C'est dommage qu'il fasse pas spawn des petites popos, en vrai. Il y a eu un kill là, non? Ah ouais, il y a eu un kill. Hein. On peut tenter de mettre un peu la presse, gentiment. On fait gaffe au Mic-Mic. Ouais, on va le laisser. Je suis en top 6. Miko, bon brawler sur cette map, mais je le joue pas bien, moi, en fait. Parce que tu vois, lui, il a carrément agressé le Nali, et moi, je l'ai pas agressé, et j'aurais dû, en fait. Ok. Oh, il y a une partie, là. Il y a une partie de manche caca à jouer. Top 5. J'aimerais bien faire mieux que top 5, je vais quand même pas vous raconter d'histoire. Ok, je suis tellement concentré. Ok, top 4. Ok, je récupère mes shots. Oh non, il m'a touché, c'est improbable. Oh non, je suis un top 4. En vrai, il est pas compliqué à jouer sur la map, mais moi, je le joue pas très bien, je pense. Je continue la win streak, c'est clairement pas le bon brawler. Enfin, c'est clairement pas dans ma méthode de jeu. Donc, il faut que je fasse absolument autrement. Qui je pourrais... Peut-être Cordelus, parce que finalement, Cordelus, au CAC, il fait quand même beaucoup de dégâts, je trouve. Il a une petite range, mais on peut s'en sortir. Je vais tenter Cordelus. J'espère que je fais pas une bêtise. C'est le jean à ma gauche. Si c'est jean à ma gauche, déjà, je suis pas très bien. Et j'ai pas ma main droite. Ah ouais, je suis pas... Là, c'est pas ouf. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, hein. Putain. Je suis pas bien. Oh, je m'en sors. C'est improbable. Oh, la partie, les gars, je sais pas comment je m'y prends. Honnêtement. Et j'ai déjà assuré le top 3, donc en vrai, je peux... Ok, il y a personne au mid. Oh, c'est improbable, j'ai assuré un top 3. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir 50 fois. En vrai, cette map, elle est pas évidente hein, pour moi. C'est pas... Ah ouais, survivant. Bon, après, je suis en... Improbable. Honnêtement, improbable. Ah ouais, la win streak, elle continue en plus. Je suis à 14 en win streak. C'est vraiment pas mal. Oh, génial. On fait un objectif. On fait une quête. Qu'est-ce que... Ah, malheureusement, je suis... Ah, si, je vais passer le palier de quête. Génial. On prend des petits blings. On a 45 jetons pour Meg. Et on a 640 d'or en supplément. Vraiment pas mal. Je tente, allez, je tente une last hein, pour avoir mon prix star avec ce brawler, mais c'est clairement pas le meilleur moyen. Il y a un Miko, donc je vais bien sûr essayer de chinter le Mic. Ah, remarque, attends. Le Mic-Mic, on est d'accord que si j'utilise mon pouvoir, il peut plus m'attaquer pendant... si j'ai bien compris. Hein. Ok, top 9. Après, je peux jouer un peu la nunuche, tu vois, comme on dit, et attendre déjà d'être en top.
C'est vrai que c'est, si j'attends d'être en top, c'est pas si mal. Là, il doit y avoir un brawler là par ici, les potes. Sûr. Ok, là, il n'y a personne. Top 8. Ah, je suis pas bien. Ah, il me double touche. Il me double touche. Et là, si j'y vais, je risque de... Ah, manche caca en puissance. Ah, j'ai fait le manche caca. Hein. Top 6. Mais j'ai... Non, j'ai pas fait le manche caca, mais j'ai saisi une opportunité. Ah, il est pas bien. Il est pas bien. Ah, oh, le double manche caca. Le double manche caca. Oh là 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 là. Ah ouais, ah ouais. En vrai, je sais pas comment je m'y prends là, mais je m'en sors et c'est juste incroyable. Oh, oh là 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 là, mais non, mais là, c'est incroyable cette game. Ah, lui, il a plus de range, hein. Ouais. Ah ouais, 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 beaucoup plus même. Beaucoup, beaucoup plus. Par contre, le top 3, du coup, il est pas dans le mid. Ah. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Oh, c'est une partie de gâté, hein. Oh, oh là, 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 là. Mais non. Mais non, les gars. C'est incroyable. Non, c'est incroyable, cette partie. Je crois que je fais 4 ou 5 kills. Ah ouais. Ah non, mais là, 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 c'est... Là, vaincre 9 ennemis. Ah, j'ai fait 4 kills, hein. 4 kills sur la map, quand même. Attention. Oh, je le sens bien. Ah, super rare, super rare. Oh, c'est pas... Mais bon, ça fait extrêmement plaisir, les gars. Franchement, je suis super content. Je remplis des quêtes. Je passe à 15 win streak. On a joué 3 brawlers. On a fait que des tops. On a fait du top 1. Donc, je suis super content. Et la dernière game, elle est vraiment super cool et super épique. Donc, c'est génial. Merci à tous. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, commenter la vidéo et vous abonner à ma chaîne Pokémon. Premier lien en description. Merci à tous. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube. Peace.